Depuis leur déménagement en Californie, Meghan Markle et le prince Harry se sont fortement rapprochés de Nacho Figueras et Delfina Blackie. Les deux couples se croisent régulièrement lors des différents matchs de polo du duc de Sussex. La suite après la publicité, le prince Harry et Meghan Markle semblent avoir noué une solide amitié avec le couple formé par Nacho Figueras et son épouse Delfina Blackie. La relation entretenue par le duc et la duchesse de Sussex avec la star du polo argentin fait tellement parler outre-Manche, qu'elle a même été analysée par des experts royaux. Par exemple, Alison Bossoff a souligné que la bromance entre les deux hommes se développe toujours profondément. Récemment, les deux couples ont été photographiés ensemble durant le Royal Salute Polo Challenge. Organisé à Wellington en Floride, cet événement avait été mis en place au profit de Sendball, l'organisation caritative co-fondée par le duc de Sussex en 2006. Cette dernière vient notamment en aide aux enfants et aux jeunes séropositifs du Lesotho et du Botswana. Je suis si fière d'avoir partagé cette expérience avec mon très bon ami, le prince Harry. Nous nous sommes réunis pour soutenir Sendball, une organisation caritative qui nous tient à cœur, avait écrit Nacho Figueras sur Instagram ce jour-là. C'est toujours un honneur de rouler aux côtés du prince Harry, dont l'engagement à faire la différence est vraiment inspirant, avait-il également ajouté. Dans son analyse, Alison Bossoff a précisé que la vie du prince Harry et de Meghan Markle en Californie doit beaucoup au patronage de Nacho. Selon elle, Nacho Figueras est le riche, beau et influent David Beckham du polo. Tout comme l'ancien footballeur anglais, le joueur de polo argentin est un homme d'affaires qui prospère. Il possède notamment un immense domaine en Argentine, ainsi qu'une belle maison en Floride. Pour mémoire, le prince Harry et Nacho Figueras se sont croisés pour la première fois en 2007, avant de rapidement se lier d'amitié autour de leur passion commune pour le polo. Nacho Figueras et Delfina Blackie faisaient d'ailleurs partie des invités au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2018. Nacho Figueras, le prince Harry lui a révélé sa romance avec Meghan Markle avant son officialisation. Nacho Figueras était aussi, pour l'anecdote, l'un des premiers à qui le duc de Sussex a révélé sa liaison amoureuse avec l'actrice avant qu'elle ne soit officialisée. Les liens d'amitié entre les deux couples se sont encore plus renforcés après le déménagement d'Harry et Meghan à Los Angeles. Depuis, les deux hommes jouent au polo ensemble dans l'équipe de Los Padres, située à Santa Barbara. Dans le monde du polo, c'est Nacho plutôt que Harry qui est considéré comme un roi, a également déclaré Alison Bossoff, tout en ajoutant que l'Argentin de 47 ans vieillit comme un très bon vin.